Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Voici les principaux titres développés dans votre édition du midi. Plus de 334 000 stagiaires et apprentis se sont inscrits auprès des établissements du secteur en prévision de la rentrée de la formation prévue le 28 mars en cours. Des conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs secteurs ont été assurées entre la formation professionnelle pour ajouter ou en tout cas introduire de nouvelles spécialités. Adrar se transforme en un véritable pôle agricole. Des rendements satisfaisants sont enregistrés dans le domaine de la céréaliculture, un secteur boosté notamment grâce au système d'irrigation à pivot central. À Gaza, soumise au blocus depuis plusieurs années pour survivre, faute de ressources et de terres à travailler à cause de l'expansion de l'entité sioniste, les Razaouis se sont lancés dans l'agriculture urbaine en toiture terrasse. Un reportage dans ce journal. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, a reçu ce matin son homologue, la ministre suisse, la chef de la Justice, la chef du département fédéral suisse de justice et de police, Karine Keller-Sutter. Une rencontre qui se déroule à l'issue de la visite officielle qu'elle effectue en Algérie, en compagnie d'une délégation. Des entretiens sont attendus entre les deux parties, visant les perspectives de coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice, ainsi qu'en matière de coopération institutionnelle. Célébration aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le ministère, organise une journée d'études en présence de plusieurs experts et praticiens. L'Algérie s'est engagée à réduire le nombre de cas de 25% d'ici à l'horizon 2024 et l'éradiquer définitivement d'ici 2035, conformément au calendrier arrêté par l'OMS. La lutte contre la tuberculose a été perturbée ces derniers mois par le Covid-19. Selon l'OMS, cette maladie est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, avec environ 1,4 million de morts par an. Un vaccin existe depuis les années 1920, le BCG, mais le degré de protection contre les formes pulmonaires de la maladie n'est que de 50% environ. Deuxième et dernière journée de la visite d'inspection et de travail du chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Mered, dans la wilaya de Mascara, où il a visité les différentes zones d'ombre de cette collectivité. Il a saisi pour l'occasion écouté les doléances des habitants. Camélia Mellal. C'est entre ces montagnes que se trouve le village de Skerna dans la wilaya de Mascara, un hameau autrefois privé de tout. Aujourd'hui, il commence à sortir de son isolement au grand bonheur de ses habitants. Nous avons longtemps subi le manque en infrastructures dans notre village, en particulier durant la période hivernale. Mais Dieu merci, ces derniers mois, notre situation s'est réellement améliorée. La réalisation de ces différents projets, dont la réfection des routes ainsi que l'alimentation en énergie électrique et la réalisation de réseaux d'assainissement, nous a vraiment facilité la vie. La wilaya de Mascara comprend à ce jour près de 289 zones d'ombre. Au plus de 360 projets de développement ont été lancés pour le désenclavement de ces régions. Brahim Red, chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, est allé s'enquérir de l'état d'avancement de ces projets et a saisi l'occasion pour écouter les préoccupations des habitants. Nous voulons être raccordés au réseau de gaz naturel et la réhabilitation de la route nationale 58 qui passe par la commune de Ouattaria. Les jeunes de la région ont besoin de trouver des postes d'emploi. Nous avons une liste de priorités. Nous avons donc entamé la réalisation de projets de première nécessité comme la réhabilitation des routes, l'alimentation en eau potable et l'installation de l'éclairage public. Une enveloppe financière de plus de 5 milliards de dinars est dédiée au développement de ces zones. Le budget alloué comprend entre autres des projets d'amélioration du cadre urbain, des projets d'aménagement des routes et des projets dédiés au secteur de l'énergie.
Formation professionnelle, la rentrée est prévue le 28 de ce mois. 334 000 stagiaires et apprentis sont inscrits auprès des établissements de la formation professionnelle. C'est le chiffre annoncé par la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Houyem Ben Freiha, lors de sa visite de travail à Burj Bariliç. De nouvelles formations ont été introduites, comme l'industrie cinématographique. Walid Yousfi. Il s'agit d'une nouvelle structure qui vient renforcer le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans la wilaya de Burj Bariliç. Il faut savoir que l'Algérie compte 1207 établissements du même genre assurant une formation dans diverses spécialités, des structures qui accueilleront pour la prochaine rentrée pas moins de 334 000 stagiaires et apprentis. Nous avons travaillé sans relâche pour produire des bavettes et des blouses de protection. Le secteur de l'énergie renouvelable est l'avenir du pays. Nous en avons grandement besoin. C'est un domaine qui a été besoin. Il existe un programme de marketing et export établi avec l'aide des spécialistes du ministère du Commerce. La formation est disponible pour toute personne qui souhaite se lancer dans cette spécialité. Lors de sa visite dans la région, Salima Swakri, secrétaire d'État chargée du sport d'élite, s'est engagée à prendre en charge les athlètes d'élite sur le plan social et appuyer les jeunes talents à travers les différentes wilayas du pays. J'ai remporté plusieurs compétitions de cross-country, marathon et même semi-marathon. J'ai aussi participé à des compétitions internationales. Ma spécialité, c'est le 800 et 1500 mètres. J'ai été qualifié pour participer aux Jeux Olympiques. J'espère faire honneur à l'Algérie. Nous sommes toujours là pour vous accompagner et être à l'écoute, surtout à l'approche des Jeux Olympiques. Je suis convaincue que Oussama va réaliser de grandes choses durant cette compétition. Par ailleurs, la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a annoncé la création de plus de 30 associations sportives relevant de son secteur et ce, à travers tout le pays. La wilaya d'Adrar est appelée à devenir un pôle agricole producteur en céréaliculture, notamment en maïs. Un rendement satisfaisant, une bonne production enregistrée grâce au système d'irrigation à pivot central. Céline Ben Saïdi. Avec une superficie de plus de 3000 hectares de terres agricoles, la région de Fenouril à Adrar est devenue un véritable pôle agricole, notamment dans la céréaliculture, qui enregistre une récolte satisfaisante grâce au système d'irrigation à pivot central. Nous avons réussi à relever le défi, nous avons obtenu une bonne récolte cette année. Malgré les perturbations climatiques, nous avons réussi à obtenir une bonne récolte. Cette nouvelle technique d'irrigation nous a vraiment aidés. Cette technique d'irrigation par pivot est vraiment pratique et idéale pour ce genre d'agriculture. Un potentiel qu'il faut encourager et renforcer avec plus de moyens, notamment l'électrification des périmètres agricoles. De nombreux agriculteurs ont eu recours jusque-là au groupe électrogène diesel pour faire fonctionner leur système d'irrigation. Nous utilisons des générateurs électriques fonctionnant au diesel pour l'alimentation des périmètres agricoles. Il faut vraiment que les autorités concernées prennent en charge notre problème. Plus de 35 000 hectares de terres agricoles sont actuellement exploités dans la wilaya d'Adrar, une région qui enregistre un engouement de la part des jeunes pour l'agriculture et ce grâce aux mesures engagées par les pouvoirs publics encourageant l'investissement dans ce secteur. On passe à l'actualité internationale. Shafiq Al-Omrani, un opposant marocain vivant aux États-Unis et portant la nationalité américaine, a décidé de retourner dans son pays natal, craignant toutefois des représailles des services de sécurité de son pays. Les explications avec Naïma Chekchek. Shafiq Al-Omrani, مواطن امريكي من اصول مغربيه امريكي مغربي اليوم السبت 6 فبراير 2021. Vous avez avec vous Shafiq Al-Omrani, citoyen américain d'origine marocaine, un américano-marocain. Nous sommes le samedi 6 février 2021.
Il est 12h34, heure belge, et maintenant je suis à l'aéroport Charleroi de Belgique. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je dois embarquer à 15h45 pour l'aéroport Rabat Salah au Maroc. C'est parce qu'il se savait très vulnérable dans son pays originel, l'opposant marocain avait tenu à effectuer cette vidéo en prédiction de la rudesse du régime marocain. Depuis ma première sortie du Maroc avec l'ancien détenu politique, le professeur Mohamed Hadji, j'ai fait l'objet de beaucoup de pressions et de menaces. Je vais disparaître et cette fois-ci, je ne vais pas en sortir indemne. Et dans ce cadre, je veux dire que je vais rentrer au Maroc et s'il m'arrive quoi que ce soit, enlèvement ou assassinat ou quelque chose comme ça, la responsabilité bien sûr incombera à l'appareil de sécurité qui m'a proféré des menaces. Je veux rappeler aussi ici qu'il est temps qu'il soit mis fin à la police politique chez nous au Maroc. L'information s'imposait et salam. Ce qui fut prévenu arriva et aujourd'hui, l'état de santé de l'activiste Shafiq Omrani, détenu à Casablanca, s'aggrave continuellement des suites de la grève de la faim qu'il observe depuis plus de 40 jours, annonce sa famille qui compte boycotter son procès prévu le 25 mars au tribunal pénal de première instance de Casablanca. L'armée israélienne a mené ce mercredi des frappes nocturnes contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza, quelques heures après des tirs de la marine de l'entité sioniste contre des pêcheurs palestiniens au large de la bande. Et faute de terre à cultiver en raison notamment de la politique expansionniste de l'entité sioniste, de plus en plus de Razaouis se tournent vers l'agriculture urbaine en toiture-terrasse. On regarde ça avec Boucha Bouali. En montant sur l'échelle, cet homme gazaoui accède à la terrasse de sa maison où il cultive un jardin potager. On y trouve toutes sortes de légumes qui lui permettent de nourrir sa famille et même son entourage. Comme je n'ai pas de terre, j'exploite le moindre centimètre carré de cet espace où je plante toutes sortes de légumes verts. Et si j'avais le choix, je n'aurais pas cultivé un aussi grand jardin sur ma terrasse, avec le risque que cela peut comporter. C'est avec cela que je nourris ma famille. Grâce à ses efforts, l'homme parvient à avoir une bonne récolte. Je plante deux fois par an, en hiver et en été. En hiver, je plante trois sortes de légumes dans la même parcelle, car je ne dispose pas de beaucoup d'espace. Ici, par exemple, j'ai des fèves et des choux-fleurs. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux dans la bande de Gaza à opter pour l'agriculture urbaine en toiture-terrasse. Il s'agit d'une bonne alternative à l'agriculture traditionnelle, d'autant que dans cette région, les terres arables se font de plus en plus rares en raison de la politique expansionniste de l'entité sioniste. Une belle manière pour survivre. Le Brésil a franchi hier pour la première fois la barre des 3000 décès quotidiens dus au Covid-19 selon des chiffres du ministère de la Santé. Cela fait deux semaines que le Brésil se positionne en tête de liste dans le nombre de décès quotidiens de Covid-19 avec une moyenne supérieure à 2000 morts par jour. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé de la planète après les États-Unis. Selon les experts, l'explosion des contaminations au Brésil est notamment due au nouveau variant du coronavirus détecté en Amazonie, soupçonné d'être beaucoup plus contagieux. Le canal de Suez, bloqué temporairement ce mercredi après l'échouement d'un porte-conteneur Lever Given, les opérations pour le débloquer sont en cours et le tronçon historique a été totalement rouvert dans les deux sens sur cette route commerciale, l'une des plus fréquentées du monde, où attendent des dizaines de navires selon les autorités. Le porte-conteneur s'est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent. 30 navires sont immobilisés à l'entrée nord du canal et 3 autres à l'entrée du sud. Un fabricant de cercueils de Bangkok a décidé de donner une nouvelle signification à l'expression « rouler à tombeau ouvert » dans son atelier de la capitale thaïlandaise. Il découpe en forme de skateboard des planches démontées de ses cercueils invendus et leur appose des motifs et emblèmes bouddhistes. La popularité des sports de glisse explose dans le royaume et le prix d'un skateboard monte en flèche. Alors ce jeune homme a décidé de donner une nouvelle vie à certains de ses cercueils en bois pour faire plaisir aux enfants
N'ayant pas les moyens de s'en procurer, comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Du sport, football, en Algérie, le Serbe Louis Dead, dos au mur, effectuera un déplacement semé d'embûches à l'ouest du pays pour défier la Sochlef. Un match prévu aujourd'hui à 15h dans le cadre de la mise à jour de la 12e journée du championnat de Ligue 1 de football. Allez, partons à présent à Bnéabès, où les habitants de la région affectionnent particulièrement l'art de la poterie. C'est le cas de Hedesh Ntouf, une artisane potière de Hedesh Ntouf, qui, malgré le manque de moyens, tient à préserver cette composante essentielle de l'artisanat dans sa région. Le commentaire de Yasmine Massaoudi. La poterie, un art qu'affectionnent de nombreux habitants de Bnéabès. À l'instar de Hedesh Ntouf, une artisane potière qui crée avec passion des objets en terre cuite, entièrement tournés et façonnés à la main. Un savoir-faire hérité de sa mère et sa grand-mère. Nous travaillons l'argile que nous laissons reposer une semaine. Quand cette argile gonfle suffisamment, on la pétrit comme on le ferait avec une pâte, afin d'en faire des ustensiles de cuisine avant de les enfourner. C'est ici que nous mettons le bois. Nous allumons le feu et comme vous le voyez, nous mettons les pièces au-dessus. Voilà le résultat, c'est prêt. C'est grâce à ces gestes précis que cette potière réussit à façonner ses pièces, des ustensiles de la vie quotidienne, mais qui rencontrent toutefois quelques difficultés qui entravent le bon déroulement de son activité. Nous voulons nous rapprocher de la ville pour pouvoir former les personnes qui le désirent. Nous avons besoin aussi de machines plus modernes. Nous tenons à préserver ce métier, mais malheureusement, nous ne possédons pas suffisamment de moyens. Outre sa fonction utilitaire, la poterie constitue une composante essentielle de l'artisanat de Bnéabès. Un métier que Hedesh Ntouf tient absolument à préserver, pour peu qu'elle puisse bénéficier d'une aide financière. Il s'agissait bien de Hedesh Ntouf. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de ce journal. Je m'excuse pour ma petite voix enrouée. Évitez de vous découvrir. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Très bonne journée à tous. Au revoir.